Salut à tous et à toutes, ici Streetdy le monteur, et ouais, j'ai la même voix que Psycho. Aujourd'hui, best of de la deuxième journée de FC24 pour Psycho 17. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et on est parti. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Pack 2 éléments 81+, les gars. Espagnol, bien évidemment. MOC. Athletic Club Bilbao. Nous partons avec un monsieur qui s'appelle Sensei. Et ben c'est super. Et Dumfries, ça c'est sympa, sympa. Pour un début de jeu c'est cool, Dumfries. Pack Jumbo Premium, or oh, j'ai mué en même temps, portugais. Milieu droit Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Bah non en fait. C'est pas milieu droit, t'es con psycho. T'es vraiment, j'y ai cru en plus. Bah ouais, non bah ouais, j'ai... Okay. Sangaré en milieu défensif, c'est sympa. Thiago Diallo, ça peut être assez sympa en Ligue 1. T'as vu la carte qu'il a, dis donc. Pack méga rare. Pourquoi pas une animation. Let's go. Une star dans le club, peut-être. Portugais. Attaque en gauche, cette fois-ci, Léao. Léao. Dis-moi que j'ai Léao, frère. Dis-moi que j'ai Léao. Let's go. Oh, 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 elle est belle, celle-là. Ouh, le joueur du début de saison. Raphaël Léao qui tombe. Oh, il est sexy, lui. Oh, on va le jouer, hein. Clairement, on va le jouer. Ça va coûter un petit peu, Léao, non, en vrai. J'imagine. Et derrière, qu'est-ce qu'on aurait de sympa. On a un Lacroix que je vois au fond. Müller, 84. Di Maria, tout de même. Okafor. Oh, le Okafor, il fait plaisir. Sacré carte pour Okafor d'Ivoire. Ça vaut un petit peu, ça, non. Ah ouais, 180. Ouais, 170 000 crédits. Bah, attends. Alors, on a un beau joueur de début de saison. Là. Ah, il fait plaisir celui-là. Quand tu vois 17 packs en boutique, tu sais que ça a senti le tryhard, quoi. Tu sais que le mec derrière, il a fait des défis, hein, de fou. Hein. Je vous montre juste un petit peu les défis qui ont été faits pour recevoir ces packs-là. Donc, hormis les packs saison où justement on va récupérer ce pack 10 joueurs 83+, ou ce pack 5 joueurs 84+. Par contre, en termes de défis, si vous voulez savoir, bon, live, ça se fait un petit peu naturellement. Hein, regardez toujours ce qu'il y a à faire. Hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'XP à récupérer sur les lives et tout. Donc, faites ce qui est demandé. En termes de saison, ça va se faire aussi naturellement. Hein, disputer 30 matchs, etc. Donc, ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça va se remplir tout seul. Par contre, là où vous devez être un petit peu malin, c'est que vous pouvez faire plusieurs défis. Là, par exemple, on a beaucoup tryhardé tout ce qui était en termes de maîtrise les passes. Ça se fait aussi naturellement. Mais maîtrise finition, regardez ce qu'il faut faire parce qu'on a fait beaucoup de clash d'équipe. Donc, du coup, là, on vient de marquer 250 buts, ce qui nous fait récupérer un pack jumbo joueur rare qui va être quand même assez sympa. On a aussi le pack des 10 ballons piqués. On a le pack des 50 frappes puissantes, le retourné, les buts en finesse. Donc, voilà, tout ça, vous récupérez beaucoup de packs. Donc, faites ces défis-là en clash et regardez ce que vous pouvez faire en même temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est ça, les maîtrises championnat. On a fait, tu vois, tous les petits championnats. On est en train de finir ces deux-là. Donc voilà, c'est 10 matchs avec des joueurs précis qu'il faut jouer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et en même temps aussi, on fait bien évidemment les joueurs. Il y a maîtrise, non, c'est plus bas, je crois. Vous avez aussi la possibilité de faire un défi avec les premiers détenteurs. Voilà, qui vous donnent des packs. Donc n'hésitez pas à jouer avec une équipe premier détenteur à chaque fois au début du FIFA. Enfin, au début du IEFC, n'est-ce pas? Parce que bah, ça vous donne pas mal de petits packs en plus. Donc du coup, on va récupérer bien évidemment ce petit pack des 250 buts marqués. Donc vous en mettez environ 15-20 par match, hein. Si vous jouez en semi-pro, c'est assez simple, il n'y a pas de prise de tête. Et en plus ça vous fait les points pour les récompenses clash. Donc c'est assez intéressant. Donc en boutique, pack de joueurs rares, allez vas-y. Anglais, attaque en gauche, Marcus Rashford. Ta mère. Ah bah c'est Grealish. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, 85, Jack Grealish. Et Danilo à l'intérieur, sympa Danilo aussi, hein, Juve. Hein. Jack Grealish, je pense pas que ce soit vraiment foufou, hein, ouais. Mais ça reste un 85 tout de même, donc assez intéressant à récupérer. Belle première note. 82, pack de joueurs, vas-y, pack de joueurs. On va faire seulement les joueurs avec les notes pas garanties à l'heure actuelle. Encore un silver apparemment. Ah oh, oui, il me le faut, c'est lui que je vais faire évoluer. Diallo. C'est peut-être ma future évolution, les gars. United, sympa ça. Peut-être lui que je vais faire évoluer. Je suis en réflexion justement avec lui parce que ben il a quand même une carte assez intéressante pour une évolution. Après, il peut être intéressant à garder aussi en silver pour faire des compétitions silver, mais très sympa, très sympa, très sympa. United, ça fait toujours plaisir. Pack 2 éléments 78+. Allemand, milieu centre.
Oh, ça peut être c'est une joueuse, ça? Ah non, Gundogan, sympa. 86 animé, les gars, première animation. Gundogan, alors bon, malheureusement, voilà, hein, je pense que dans ce FIFA, Gundogan, c'est malheureusement pas ouf par rapport en termes de vitesse, comme d'habitude, hein, ça va pêcher là-dessus. Mais 86 tout de même, donc on va pas se plaindre. Et alors, Zabal en doublon, qui est vendable, donc très bonne nouvelle ici, qu'on va lister. Alors, 80+, et là, on a les 78+, qu'on a fait en SBC, du coup, c'est parti. Hein. C'est le petit SBC qu'on a fait là, avec les doublons. Voir si ça nous récompense ou pas. Chanda, j'ai vu. Je l'ai vu passer, cette joueuse, qui apparemment serait assez, assez forte. Mais écoute, pourquoi pas. Manque de dribble, bien évidemment, mais pourquoi pas. Deuxième pack 78+, français. Défenseur central, Varane. Bayern Munich. Ok, on prend Upamecano. Très solide, ça. Très très solide, Upamecano 82, très très bon défenseur, c'est aussi sympa à avoir en début de jeu. Upamecano, ça offre des possibilités, et puis un petit 20 000 crédits quand même, hein, le petit Upamecano, donc pas donné. Et ça fait plaisir aussi, un beau joueur ici, paquet. Let's go. Pour l'instant, récompensé, hein, c'est 78+. Attention, hein, là ça peut vraiment commencer à taper, les potes. Hein. Ok, assez. Ah, Memphis. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas, le Memphis. Ok, let's go, 84 Memphis Depay, carte vraiment très très complète, hein, pour un joueur qui peut jouer derrière l'attaquant, ça peut être très très cool. 5 étoiles de geste technique aussi, on aime bien. Pack joueur avec Trump Prime vendable. Belge défenseur droit. Un silver, ça encore. Mais c'est quoi cette merde? Ah non, c'est ma première carte boostée. Bataille. Il est mignon. Équipe de la semaine, les gars, c'est la première fois. Vendable. Ah bah c'est cool. Ça c'est 10 000 crédits, ça, je reconnais. Alors, Ron Wan-Bissaka dans le pack. Oh oui, 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 oui. Moi je prends ça. Des millions, ça, non? Ça coûte rien. Et bataille, hein, vraiment, on est content. 19 000 crédits ici. Non, pas du tout. Oh, celui-là, faut l'acheter. À 10 000, quand il y aura des trucs boost, tu refais de la vente. Bon, on va garder, hein, on va garder dans le club, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin, donc on verra. Et du coup, là, on arrive... les gars, on va pas se mentir. Pack méga ici, pack méga rare, ensuite pack 85+, ensuite pack à 100 000, et derrière, le pack 83x10. C'est pour ça que vous êtes là, bien évidemment. Pack prévisualisable du jour. J'achète. Oh la chatte. C'est un fret dedans en plus. Ça coûte combien, ça coûte, ça? J'achète. Let's go. Oh là 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 là. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Eh franchement, c'est pas mal. Du coup, je peux en reprévisionner. Oui. Back to back animation. Ah bon, on peut pas toujours chatter aussi, hein, ça barre. Puntas. Bon, lui, on va pas acheter, lui. Deux éléments joueurs rares, 80. Putain, j'ai peur, les gars. J'ai pas peur, pack méga. Non, ça pouvait pas être défenseur gauche. Mais qui es-tu, en fait? On a des sacrés stats, quand même. Hein. Watkins, Mvogo, gardien suisse. Oh, on va dire les termes. Hein. Bon, c'est un pack de merde. Brésil. Brésil. Arsenal? Mais pas ce club, en fait. Mais bien sûr que non, pas Gabriel. Il y a des belles stats, Gabriel, quand même. On rigole, mais on aurait préféré un autre Brésilien, quoi, défenseur central. Ok, Roberto Firmino aussi, petit skiller. Mazraoui, sympa. Almiron, De Roon, Vazabin. S'il faut chatter, c'est dans ces packs-là, hein, vraiment. Je préfère chatter dans ces packs-là que dans les autres, parce que, clairement, c'est ça qui nous file des crédits. On peut faire un peu ce qu'on veut avec. États-Unis d'Amérique. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Voilà, Murphy. Superbe. Je suis content. Merci beaucoup. Fuck. Oh, c'est de la merde. Je crois que je vais faire le 85+, les gars, déjà. En vrai, j'ai trop peur. Mais peut-être notre première double animation dans FIFA. Anglais. Défenseur droit. Liverpool. Alexander Arnold, du coup. Mais il est pas animé, Alexander Arnold, si? Si, il est animé, ok. C'est une nouvelle animation ou pas? Non, même pas. Ouais, après il y a des 85 que j'aime bien. Et donc, du coup... Ouais, bon, c'est un pack de merde. 90 de passe, Arnold, quand même. Ouais, mais après, le problème, côté défenseur, avec ta meilleure stat, c'est la passe. Bon, c'est pas forcément rassurant. Mais ce sera un très bon joueur pour SBC, hein, vraiment. C'est pas ouf. On aurait vraiment espéré mieux. Mais il nous reste deux packs. Le pack à 100 000 crédits et le pack à 83x10 ou 84x5. Ça, on sait pas encore ce qu'on va faire. Mais allez, pack à 100 000, non vendable.
Oh non, 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 ça a l'air nul. Ah, Mikovicevic. Ah non. Oh putain, il est dégueulasse. J'ai marqué 500 buts pour ça, dans 250... Ouais, c'est dur. Ah, celui-là, il fait mal de pack. Y a pas des petites pépitas dedans? Smalling, bon, Smalling, ouais, pourquoi pas, non. Quadrado. Quadrado, quoi, ok. Non, c'est de la merde, hein, on va pas faire semblant. Hein. On a un 83 x 10 ou un 84 x 5. Vous avez pris quoi? Vous conseillez quoi, les potes? Moi, je pense qu'en vrai, le 84, j'ai envie de le prendre pour aller focus une double animation. J'en ai jamais eu, j'ai envie d'en faire une, tu vois. Donc, je sais pas trop, en vrai. Ouais, vous êtes un petit peu mitigé, quoi. Bah, les gars, je tente le 84. À la base, je voulais prendre le 83, mais faut toujours que je fasse le contraire de ce que je veux, moi. Donc, vas-y, je prends le 84. C'est maintenant, les gars. 5 joueurs 84 plus or rare. Anglais de Tadaron. En fait, t'as... Non, ça va, c'est pas le même, c'est bon. Non, mais arrête, ça va être 84 maximum, là. J'ai envie de chialer, c'est même pas animé. C'est quoi ce pack de merde? Oh, le pack éclaté au sol. Bon, Lukaku, ouais, Rafinha. Bon, Rafinha. Après, Rafinha, quand même. Sympa, début de jeu. Gnabry, bon, bah voilà. Et Trippier... En vrai, c'est dur. J'ai envie de faire un match quand même avec mon équipe, en fait, avant de partir. Parce que bon, on a quand même une belle équipe, mine de rien. Et voilà, en gros, on est là sur l'équipe. Il y a juste Wai, en fait, qui est parti. En fait, pourquoi j'ai fait cette équipe-là? On a packé Kevin De Bruyne, d'accord? Donc, je l'ai revendu. Et derrière, on a packé Léao en invendable. Ce qui est quand même magnifique. Ce qui veut dire qu'en gros, ben, on a fait une équipe autour de Léao. Donc, on a fait rentrer Mario Rui, qu'on avait packé, qui va rentrer parfaitement, hein, parce que portugais est le même championnat. Et on est resté dans le même championnat. On a acheté Kalulu. Et on avait aussi packé Chukwueze. Ensuite, on avait commencé à faire Thuram en version évolutive pour voir un petit peu ce que c'était les versions évolutives. Donc, du coup, on est resté sur des Français avec Lloris, Todibo. J'avais envie d'acheter Bruno et du coup on a réalisé qu'on avait beaucoup de Portugais quand même et on s'est dit bah vas-y Cristiano Ronaldo. Donc voilà, 59 000 crédits Ronaldo et 25 750 Bruno, c'est vraiment pas cher je trouve. Et donc voilà, à la base on aurait Wai ici en pointe pour le moment. Mais bon là bah, pour l'instant on l'a vendu parce que ouais il faudrait Portugais ou Serie A. Bon on a packé Lukaku, éventuellement Lukaku pourrait rentrer. Après Lukaku Ronaldo ça me paraît un petit peu lourdeau quand même, non? On va aller comme ça. Alors moi j'ai pas de tactique perso les gars, j'y vais un petit peu à la one again, c'est la première fois jouer avec cette équipe là, on verra bien ce que ça donne. On va jouer là-haut sur le côté du coup cette fois-ci, puis voir un petit peu le délire. Je vais juste vérifier ce que je dois faire comme évolution là sur Marcus parce que je sais plus ce que je dois faire avec lui. Disputer 5 matchs. Oh bon bah ok. J'ai même pas le droit de rage kit. Ok, super. Donc voilà, l'équipe à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il est bon dans le jeu ou pas? Ça c'est une question qu'il va falloir un petit peu soulever, analyser. Pickford, Ake, Upamecano, Mbabu, Alvarez, Nunez et Kelly. Bah oui, Kelly, il a bien connu. Elle est très très forte Kelly en vrai. Allez c'est parti. Je veux que Ronaldo soit fort dans le jeu. Parce que pour une fois que je peux avoir Ronaldo au début du jeu, laissez-moi tranquille. Ah oui d'accord, ok. Putain, un tacle du cul là. Incroyable. Oh là là, Mario Rui, il est parti, tu le rattrapes pas hein. Oh la virgulasse de Ronaldo, eh ben oui, ben ça là, le problème c'est ça, c'est quand t'as Ronaldo, t'as envie de faire des trucs quoi. Ben oui, mais bien sûr. Bah bien sûr. Eh oui monsieur, bien sûr. Faut tirer vite, il va quitter. Faut que je tire vite, il va quitter. Mais oui monsieur. Oh le début de match incroyable. Carton rouge. Eh, il l'a fait tout seul ça. Ok, j'avais même pas. Il est sévère le rouge hein, quand même. C'est dur. Voilà, Dalo. Superbe, la connexion portugaise. Remets à Cricri. J'ai fait ça comment? Je sais, j'ai fait quoi? C'est quoi ce geste? Je veux refaire. Donne-moi la balle. Oh, le geste qu'il a fait. Faut qu'on ça passe ça. Mais c'est Volta en fait, c'est plus FIFA là. T'as Daron aussi au bout d'un moment quoi, c'est bon, on propose du spectacle, on est pas récompensé. Trop de vérité, t'aurais dû marquer 6 fois déjà. Ouais, c'est une vérité. Après moi je suis pas là pour tryharder, je suis là pour m'amuser. Et puis quand je vois un nouveau geste, j'ai envie de le réessayer, tu vois. Ouh le gars en haut. Les frappes en force, c'est pas mon délire. Oh là là, ce que c'est beau. Oh là là, ce que c'est bien fait. Oh là là. Ouais, quand même. Ok. Par contre, les frappes, c'est dur, Ronaldo, quand même, maintenant. Voilà, quand même marqué un peu avec le GOAT, quoi, parce que sinon, ça va pas. Si. Allez là.
Bon bah ça passe. Elle est pas mal cette équipe. Après ouais, en pointe il va manquer quelqu'un. Il me faut un feu follet quoi. YouTube, c'est de la faute à Bobule hein. Vraiment un abonné ici où on savait pas si on allait ouvrir les packs ou pas, parce que j'attendais vos retours. Et il a dit vas-y, je m'en fous du retour de YouTube, ouvre les packs. Donc du coup j'ai grillé les packs. Donc voilà, 12 000 points, on va ouvrir les packs les gars, on va s'amuser. Et puis voilà, voilà, juste là pour le fun en vrai. Allez, let's go. Et on ouvre ces petits packs là. En plus on a eu de la chance dans ceux-là, dans les premiers. Je vous rappelle qu'on a packé quand même Kevin De Bruyne. Donc c'est parti. Et d'ailleurs j'ai toujours pas compris, donc YouTube, si vous pouvez me dire comment on fait pour reconnaître une animation ou pas. Toujours pas compris. toujours pas capté. Donc moi chaque pack j'y crois au final, c'est ce qu'il faut comprendre. Chaque pack j'ai l'impression que voilà, je vais packer le truc de folie. Alors qu'en définitive, bah pas forcément quoi. Vraiment pour le moment non. Mais ça ne saurait tarder un jour. Non, moi j'ai calculé les gars, je peux tout ouvrir. C'est mieux de ne pas savoir, moi la surprise. C'est vrai. Défenseur droit Tottenham Hotspurs. Encore les Espagnols partout, hein, vraiment, ils sont partout les bougres. Hein. Pedro Porro. Non mais, Sénégal, buteur. Ah bah non, j'ai cru que ça allait être Mané. Mais non, c'est Dia. Ce n'est pas Mané, insigné. Oh là là, c'est dur, hein, c'est dur. Gali, Belumu, enchanté, Goodwin et Vanderfort. Laissez-moi être un petit, voilà, oh, français Mbappé. Non. Mais je l'ai déjà eu avant, lui. J'ai eu avant. Klaus, quel joueur t'aimerais de ouf? En vrai, une icône, hein. Début, tu packs une icône, ouah, t'es refait de ouf. Franchement, c'est ça qui me fait rêver, moi. Après, voilà, là, c'est surtout remplir les joueurs, parce qu'après, on a beaucoup, beaucoup de SBC à faire. Et d'avoir du fun, voilà, on s'amuse, hein. MC Liverpool, les gars. Avec un aimant. C'est Thiago, bien évidemment. Zapata avec Danilo Pereira, magnifique, ça c'est du pack qu'on aime ça. Bon par contre, en termes de chatage, pour l'instant ces petits packs qui sont pas forcément ouf. Allez, Espagnol, défenseur latéral gauche, Bayern, Leverkusen, j'ai le bien nommé, Grimaldo très fort. Je l'ai affronté en draft, je crois. Il est très très fort. Pourquoi que les Espagnols? Bah, ça a toujours été comme ça sur FIFA. Il y a toujours plus d'Espagnols dans les packs, c'est fou hein. Il y a beaucoup plus... Ah, espagnol encore, hein, vraiment, ça change pas. Hein. MDC, si tu fais pas d'espagnol, tu peux commencer à vibrer, quoi. Ah, coquet. Ah, superbe. On va refaire une draft après. Non, parce que j'ai été gris, donc faut que je refasse une. Allez, gros pack, là. Espagnol, putain, mais j'en ai déjà marre. Ah, les Espagnols, ils vont me ruiner mon jeu. C'est dur. Ah. Hein? Oh putain, j'ai cru que c'était... J'avais pas vu qu'il y avait des joueurs en prêt. Ok, on a Yaya Touré en prêt, c'est très bien ça. Werner, arrêtez d'à chaque fois crier aux joueurs rapides. Vous êtes scandaleux. Ça vaut 13 000, mais c'est du vol. C'est nul. On joue pas avec Werner. Bon les gars, contient 25 joueurs rares. Tous 80 ou plus. Dont un 84 garanti. Plus un jeton draft. Ah bah on sera obligé. En plus d'un élément joueur de prêt 86+. Et un héros de prêt. Et une icône de prêt. Tout ça pour 10 matchs. Allez, c'est parti. Boum. Allemand, MDC. Ça va pas être ouf encore, hein, vraiment. J'ai l'impression que je pack les mêmes joueurs à 24. Double animation, double fille. Je sais pas trop quoi dire. Mais au moins j'ai une double animation. J'avais jamais vu. Bah double, première double anime, c'est deux meufs. Après, à tout moment, elles sont fortes, hein. Oh, y'a Mané. Oh, y'a trois animations dedans. Bon, après, à tout moment, Wendy Renard, c'est cheaté, hein. Je sais pas, hein. Après, c'est cool, tu vois, ça fait des notes. Puis Mané, sympa, hein. Mané, faudra le tester aussi. Parce que peut-être que Mané, ça peut être très sympa, hein. Il a vraiment le profil du joueur qui peut être très fort. Et avec Ronaldo, lien parfait Ronaldo, les gars. On en parle pas assez, mais lien parfait Ronaldo ici, Mané. Bah bien, bah oui. James. Ah, la sœur. Ah ouais, elle, à ce qui paraît, elle est forte aussi. 5 étoiles. Les gars, on a déjà eu pas mal de chats, double animation, mais là attention, compte un 30 éléments or, 81 ou plus, ton 3,84 garantie, un jeton draft, un élément héros de prêt, une icône de prêt, un élément non échangeable, ne faites pas ça chez vous. Allez, pourquoi pas, allemand, c'est mauvais signe, MOC, c'est mauvais signe de ouf, c'est mauvais signe de ouf, c'est même pas animé, mais c'est qui ma gueule? J'ai qu'une seule anime là. Puis y a qu'une seule. Non mais ça, c'est trop. À tout moment elle doit être cheatée de ouf en plus quoi. Trap, Di Lorenzo. Di Lorenzo c'est sympa, il est cool. Ah c'est pas ouf hein. Vu qu'on a des drafts gratos, autant aller les jouer. Hein. Maintenant, bon,
Vu les premières, on a un peu peur. Mais on va essayer de se focus et voir ce que ça donne. Allez, jetons draft pour participer. Alors, faire mieux que la première, ça va être dur, mais bon, on verra. Alors, du coup, parlons-en. Double 5 Debina. Allez, c'est pas grave. Debina. Allez, c'est bien. Vas-y, je commence par les buteurs cette fois. Je commence par les buteurs. Avec Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mofi, Kerr. Oh là 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 là, je vais faire une équipe de full féminine, mais je vais galérer, je le sais. Putain, elle est dure. Ah, on a mid. Putain, frérot, j'ai... Je vais pas prendre ça là vraiment. Non non non, c'est bon, j'arrête mes conneries, je prends ça là, ça va. Oh merde. Mais par contre, vraiment frérot, c'est quoi le... Ford, vous vous souvenez d'elle? Elle nous a tué un match. Vas-y, on va la prendre. Hein. Allez, milieu centre maintenant. Bon, on va prendre Tillmans pour partir PL comme d'hab. De toute façon, on a PL femme ou PL homme. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas trop besoin de se poser de questions. Ici, il n'y a rien qui va nous intéresser. Donc on va prendre Saoul, malheureusement. En défenseur gauche maintenant, ce serait Stupinian le plus intéressant. En termes de gardien, bon, c'est. Non, défenseur central, pardon, on s'est fait un peu chier dessus. Bon, on a de la PL avec Collins. Ruben Dias, hein, je pense que c'est le plus logique ici. Il n'y a pas trop à réfléchir. Défenseur droit. Dommage qu'on ait pas une petite dame là pour faire le collectif. Du coup, bah, on va prendre Aurier, même s'il est pas fou. Hein. Et en termes de gardien de but maintenant. Alors, ah bah. Est-ce qu'on tente un gardien d'un mètre 77 ou pas? Vas-y, on va tenter. Tu sais quoi, il faut tenter les choses, hein, des fois. Il faut tenter. Et au pire, bah, on se mettra Flecken, ce passe-mal. Ça fait. Ah voilà, c'est bon, on l'a. Pas qu'à tard. Ok. En termes de colle, ça va, on n'est pas dégueulasse, tu vois. Maintenant, bon, après, c'est de l'amélioration qu'il faudrait, quoi. Ouais. Ça fera peut-être plus de colle ici. Ah bah non, ah mais non, putain, Henderson, il est plus du tout dans ce champ. Putain. J'ai visualisé tellement Liverpool, je suis bête. Eh ben en vrai, ça va être 4 lits. Hein. Ça fait plus de collectif pour les dames. Après, Timber... Ah, Timber est quand même très fort. Hein. Timber est dans le jeu est quand même assez sympa. Et franchement, là, on n'est pas à plaindre, quoi. On n'a pas forcément d'énormes super sommes, mais notre équipe pourrait suffire pour peut-être faire quelque chose un jour. Bah écoutez, intéressante cette draft, parce qu'elle va répondre à pas mal de questions. Est-ce que les filles sont vraiment très très fortes dans le jeu offensivement, ce que je pense? Est-ce que les gardiens filles peuvent être jouables ou pas? À un moment, là, pendant la draft, on est tombé sur deux énergumènes, mais là, maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, éventuellement, on va tomber sur des mecs qui sont un peu perdus comme nous, et puis qui tentent... Ouh, putain, le gardien est petite, quand même. Ça fait peur. Gagner une draft en début d'année, honnêtement, j'ai pas le niveau. Mais deux victoires, on aimerait bien ça, quoi. Oh, il a Messi. Il a eu Messi le bougre. Bien joué. Imagine, il fait juste des lobes à chaque fois. Peu importe l'emplacement, ça la lobe, quoi. Ah ouais. Ouais, bon, ben, c'est exactement comme la première draft de la vidéo. Le mec, il spam là et il fait 1800 gestes qui nous dit « Moi, je connais le jeu, frérot. » Allez, Ford. Alors, nous, on l'a affronté, Ford. Donc, on peut vous dire... Ford, elle court vite. Hein. Vous fiez pas à son 80 et quelques de vitesse. C'est une pile électrique. Moi, je maintiens que, de toute façon, j'ai en ma possession la meilleure buteuse que j'ai testée, homme, femme confondu, du jeu. Kerr, franchement, elle est forte. Bon, alors après, j'avais la version Nike, là, mais après... Oh ! Attends, ma gardienne ! Oh ! Les gars, j'ai pas de solution. J'essaie vraiment de prendre mon temps à construire, mais... On met 1-0, hein. On dit pas que c'est pas mérité, on dit juste que bon bah. T'as arrivé sur un but de merde quoi. Mais faut pas que je sois trop aigri apparemment les gars. Alors on est content d'avoir pris un but. Bien joué, c'était une belle action. Eh ouais, bah ouais, bah ouais, mais après il y a les engagements frérot, ça existe toujours hein. Non, gardien. J'ai l'impression qu'il fait des... Il spamme des gestes, mon gars. J'ai l'impression que je regarde comme ça et je sais pas quoi faire. Elle fait 1m2, elle prend tout le monde la tête. Alors, ouais, il est meilleur que nous. Hein. En vrai, putain, je vous dis, hein, les drafts, en fait, c'est compliqué parce que ouais, les mecs, c'est les gros tryharders qui savent qu'ils peuvent la gagner, quoi. Nous, on sait qu'on n'a pas le niveau pour la gagner. Bon, c'est gratuit, alors on joue, mais... Limite, racheter au premier tour et prendre les packs, ce serait limite le truc le plus intéressant à faire pour nous. Hein. Oh la... Ouais, on va rien dire. Bah ouais, time finishing et tout. Ouais, bon, vas-y. Ouais, vas-y, ça va, ça va. Les mecs sont trop forts, ils connaissent déjà tous les trucs, on n'a pas le niveau. Les drafts, il faut les jouer en fin d'année, hein, il faut pas les jouer maintenant. Hein. Bon, on va faire la deuxième, hein, comme ça c'est fait. Vas-y, on va partir sur de l'Espagne. Ah, ben du coup on partira pas sur de l'Espagne apparemment. Ben vas-y, ma gueule. Hein. Ouais, bah vas-y, complète mon équipe parce que ça me donne un mal de tête de créer des drafts. Mais moi, qui tu veux, frérot, y a pas de problème, on y va.
on y va. Nkunku, c'est cool ici, non? Ouais, c'est bien. Paris, énorme ça, j'adore Paris en plus. Vraiment une joueuse que j'affectionne particulièrement. Et voilà, tu vois, l'équipe elle est pas si mal que ça en vrai. Tous les joueurs pro ou quoi que ce soit, ils spamment les drafts pour avoir des meilleurs packs et espérer avoir des gros joueurs pour pouvoir faire leur équipe, tu vois. Nous, on n'a pas de niveau pour jouer ça, tu vois, même faire de la... Même faire de la tactique au final, faire de la tactique au début d'année, frérot, nous, on sait même pas ce qu'on fait. Autant jouer à l'ancienne, hein, et puis voilà. Hein. Il y avait un monde où ils mettaient une enveloppée lucarne, mais pas là, quoi. Et après, à tout moment, tu sais, en n'ayant pas choisi ma draft, ça se passera mille fois mieux. Hein. Même en défense, c'est très spécial, quoi. Parce qu'en fait, il faut jamais prendre tes défenseurs et juste les laisser jouer, puis toi, reculer tes MDC, quoi. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je comprends pas. Moi, par exemple, je fais ça avec Lewandowski, qui a une stat de frappe. Alors après, je vais reparler de stat, donc je vais me taire, mais pourquoi mon Lewandowski, sa frappe, elle était nulle? Et lui, il m'avait plein de lucarne, peut-être faussé par... Bon, j'ai cru qu'il la mettait à côté. Trippier doit avoir un bon centre, en vrai. Une bonne passe aussi. Ah, tu vois, elle était pas plus simple que celle d'avant, tu vois, en vrai. C'est dur, hein. Vraiment, c'est dur, les gars. Je vous dis, c'est dur. Oh, mon gardien. Oh, c'est trop. Pas la vitesse des mèches, pas la vitesse des mèches. C'est n'importe. Bon bah écoutez, ok, la draft qu'on m'a fait au hasard sans choisir le joueur, c'est mieux passé. Bon après, il était moins fort quand même, le mec là, hein, que celui d'avant, c'est une certitude. Hein. Allez, vas-y, on continue. Oh mais après, bon, voilà quoi, c'est ce qu'il fallait faire, hein, vraiment, c'était ce qu'il fallait faire. Là. Bon mais il y aura un but derrière, hein, quand tu fais transversal, normalement. Voilà, bah oui. Moi, sur mon compte, c'est peu importe le gardien. Hein. Tu peux mettre qui tu veux au goal, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Regarde les stats. Vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment compliqué. Allons-y. Sa mère, je vous jure, j'ai failli insulter tout le monde. Oh putain, on a eu chaud, les gars. Je sais pas ce qu'il a fait comme changement, mais. Oh ouais, bah oui. Frère, non mais vraiment, c'est une purge. Hein. Oui, bah oui, ça lui fait une profondeur gratuite. Bah oui. Bon bah voilà les gars, c'était vraiment cool. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait donner là. Trop compliqué pour nous à l'heure actuelle les petits potes. Prenez soin de vous, faites pas trop les fous et à la prochaine tout le monde. Ciao.